Je m'appelle Emmanuel Revenot, euh, je fais de la musique depuis euh, le, la fin des années 80, disons, euh, sur euh, plusieurs modes un peu parallèles. Il y a un, une partie de composition, disons, donc là ça dépend, mais disons la partie pop de, de mon travail, et puis, euh, et puis euh, de l'improvisation pure, euh, avec différents instruments, donc ça a évolué au cours du temps. J'ai commencé par la guitare et maintenant je suis passé au clavier pour... Euh, pour m'exprimer, voilà, et euh, disons que la première étape importante, c'est l'arrivée des outils numériques euh, grand public pour les musiciens à partir de la fin des années 90. Donc, euh, c'est vrai que là, ça a explosé hein, le cadre acoustique, en fait, pour moi, et, euh, et du coup, euh, permettre, en gros, euh, l'édition en général et la découverte de de l'orchestration tout ça s'est fait pour moi à la fin des années 90 et puis euh, au tout début des années 2000 euh, pareil la démocratisation des, des outils de looping avec l'arrivée des en particulier de, de la gamme boss et donc pour moi du RC20 qui était un, un looper vraiment très très simple très basique et à partir de là, euh, bah finalement, la mise en œuvre de toujours les deux euh, dimensions euh, de ma pratique musicale. Donc d'un côté l'orchestration à travers du coup l'orchestration en temps réel, à travers des dispositifs d'orchestre orchestre euh, environnés et puis de permettre. Une, de, de jouer tout seul des pièces compliquées avec euh, différents instruments. Et puis euh, de l'autre côté, euh, la, la, la remise en question des pratiques d'improvisation en intégrant le looping dans la fabrication même de l'improvisation. Euh, donc, euh, donc voilà, tout ça a duré euh, une bonne partie des années 2000. Et puis la troisième euh, la révolution, si on veut, ça serait, euh, ça serait la révolution digitale. Donc, à partir du moment où les outils de looping ont commencé à être euh, disponibles, euh, ouais, voilà, il y a depuis 5, 6, 7 ans, 6 ans. Et donc, à partir de là, j'ai eu la chance de rencontrer un, un, un programmeur hein, qui donc m'a permis de fabriquer ma machine dédié looping qui me permet de faire à la fois de l'orchestration ou de l'improvisation et voilà et donc euh, nous l'idée c'était vraiment euh, comment faire pour, euh, pour un individu seul environné de différents instruments qui sont joués alternativement, plus la voix qui permet de, enfin, voilà, euh, de rentrer tout ça dans des loopers et d'avoir des, 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 des formes d'interaction rapides, et puis un, un mode d'organisation qui permet à peu près de faire tout ce qu'on qu veut faire quand on, on veut faire de l'orchestration en temps réel. Quoi. Plus un système de mémoire qui permettait d'incrémenter de, des mémoires pour, euh, pour passer d'une un, étape à la suivante. Quoi. Et, euh, et en fait, il a été développé pour ça. Et il a bien fait son taf parce que euh, le, la, 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 la première période de développement de Nundu, elle s'est faite euh, en, en, en parallèle, si on, on peut dire, avec un, une, la création d'un concert où j'étais tout seul, environné de tout un tas d'instruments, avec un répertoire, euh, avec des phases d'improvisation, mais enfin le tout était écrit, quoi. Et en fait, euh, donc, donc pendant ouais trois ans, ça s'est ça s'est construit comme ça. Donc il était vraiment dédié pour les one man bands. Et les concerts servaient de crash test en fait pour le, pour le, le logiciel. Quoi. Donc j'ai craché un certain nombre de, de performances. Mais ça faisait partie du. Et puis après, en fait, pour des besoins liés à des questions d'exportation à l'étranger, <laughs> de la nécessité de réduire complètement le, mon instrumentarium, donc de, j'ai, du coup, tout limité à un clavier. Et là, je suis parti, je suis reparti dans un, un travail d'improvisation euh, profond, quoi. Et, euh, et maintenant, j'utilise quasiment plus que pour ça, quoi. Et, euh, et donc, j'ai découvert des, des, des possibilités d'interaction avec la machine. Que je n'avais pas préconçu à la base, puisque ce n'était pas fait pour ça, mais qui, en fait, pour l'improvisation, sont aussi. Euh, sachant que j'improvise toujours avec une, 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 une idée derrière d'orchestration en temps réel, même si là, du coup, il n'y a pas de répertoire et si, euh, si, euh, si c'est improvisé, ça reste toujours comme si, euh, si j'avais un orchestre que je devais composer vite fait. Donc voilà quoi. Maintenant, je suis complètement transformé par la machine. Hein, enfin, y a... En tant que musicien, j'ai créé ma machine, mais ma machine m'a créé. Nous, nous avançons de concert, nous buggons de concert et, et parfois nous brillons de concert. Mais bref, on fonctionne ensemble, quoi.